Attends, faut que j'ai tombé une fois. Ah oui, je Oh. Oh. Bon, tu dis quand je pousse. Tu crois? Le castel est posé. Ah là. Ouais, j'ai voulu faire la méthode je démonte le cabillon. Et ouais, je vais devoir démonter les bras derrière parce que forcément ça bloque là. Si je soulève, il va pas venir. Allez, Artug. Attends, tiens. Alléluia. Bonsoir à tous et aujourd'hui je vais m'attaquer au plateau de coupe destiné pour mon Castle Garden John Deere le Sabre. Donc voici ce plateau de coupe qui était monté sur un Castle Garden aussi. Pas tout à fait le même modèle, mais c'est le même modèle de plateau, donc c'est exactement le même plateau. On peut voir déjà que les adaptateurs ne sont pas mis en face, c'est-à-dire que les petits pins de sécurité sont cassés. Ça doit être une lame d'origine, vu la tranche qu'elle a. Les ailettes sont cuites. Lame qui a été remplacée, on dirait une lame de Stiga Mulching, vu la forme. Montée à l'envers en plus. Sinon, les axes ne sont pas voilés. Il y a une sorte de frein, donc je pourrais vous le montrer que tout à l'heure. Donc je vais démonter les lames et tout ce qu'il y a au-dessus. Et je vous filme la suite une fois ça démonté. Bon, j'ai quasi tout enlevé sur le plateau. J'ai plus que les roulettes à enlever et le câble d'embrayage. J'ai aspiré toute la saleté qu'il pouvait y avoir. Ça enlève aussi les bouts de peinture qui ont envie de se détacher. Donc ça, c'est le dessus. Là, on a le courroie de synchro des deux lames qui se mettent. Ça, en anglais, c'est les spindles. En français, ça va être les moyeux. Les roulements sont bons dedans. Peut-être que je vais démonter ça pour mettre de la graisse neuve. Mais honnêtement, ils sont en très bon état. Les roulements, pour cela, c'est correct. Un petit graissage, nettoyage, ça ira mieux. Lui, en dessous. Voilà, une fois juste passé l'aspirateur. Donc une bonne base solide. Quasi pas de rouille. Enfin, c'est juste en surface. Donc tout ça, ça va être poncé dard. Je pense pas ce soir, mais plus tard, éventuellement. Faudrait juste que je redresse ça. J'ai eu quelques petits points à redresser avant de peindre, mais bon, en tout cas. J'ai déjà un bon boulot à faire à la brosse métallique. Donc j'en ai une assez agressive sur la montée sur la Peugeot. J'ai un grand cône qui peut se mettre au bout, qui lui est très bien de plus fin. Et ça fait une meilleure finition. Après ça sera je pense dans les coins à la main. Et après redressage du carter. Après on verra tout ce qui est peinture et tout ça. Mais bon, je vais démonter les roulettes, le câble de transmission et ça sera bon. Tout est encore bien poussiéreux. Et je viens de poncer le plateau avec la brosse douce, la cloche, brosse douce. Du coup, ça m'a enlevé toutes les écailles de pintoche. Enfin, il reste de la peinture qui tient bien encore. Donc l'ensemble du plateau sur le dessus. Et en dessous. Donc après, on peut voir des fissures là. Là et là, ça commence par rapport au support du plateau. Donc, faudrait que je remette ça en place et que je soude. Sinon, le plateau en lui-même, ça faudrait que je redresse par la suite. Et déjà, ce qu'il faut que je fasse, je vais appliquer mon destructeur de rouille un peu partout.
pour bien nettoyer ça. Enlever vraiment toute la rouille du dessous au moins. Je vais passer sur le dessus aussi. Et après je verrai pour ressouder ça, mais plus tard. Bon, ça fait même pas 2 minutes qu'il a appliqué le destructeur de rouille. On voit déjà le métal qui brille en dessous. Même dans la goulotte. Non. Bon, bien sûr, on va le laisser agir. Hein. Ça met 2 heures à agir, 48 heures à sécher, on va dire. Entre 12 et 48 heures. Même là, on voit la rouille, il y a déjà en grande partie partie. Ça rend bien. Donc après, il faut attendre 48 heures, laisser sécher d'une façon, laisser ressouder. On peut voir à travers normalement. Voilà. Cette soudure à faire. De toute façon, je vais renforcer les soudures. Je vais mettre une soudure en haut. Soudure en bas, pareil là. Histoire que ça tienne quoi. Pas trop de boss. Un petit truc en trop, je sais pas ce que c'est, on dirait du métal. Mais... ouais, étonnant. À part ça, le carter est plutôt bien. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, du redressage, ça a redressé. Enfin, des petites bricoles. Pas un cadeau en soudure, mais la soudure reste un art. Tout ça c'est moche. Ça c'est moche, mais bon, j'ai rebouché un trou. J'ai ressoudé là le long, ici, là. Ce côté, on voit encore la tige. Là, de toute façon, je vais renettoyer les soudures après à la meuleuse. J'ai très peu de batterie, donc je vais essayer de faire court. Donc là, on peut voir mes petites plaques où j'ai remis de la soudure pour enlever les fissures. Là, là, ça reste à nettoyer. Ce soudure à l'arc vous laisse un dépôt. Là, ça a été un petit peu ressoudé. J'aimerais bien ressouder par le bas, mais j'ai plus de... Le soir suivant, j'ai enfin racheté des tiges pour la soudure. Bah, c'était pas dans la même boîte. Je les ai remis dans l'ancienne boîte, parce que c'est plus pratique. Donc la même taille, du 1-6, hein, et puis on va nettoyer toutes les soudures. Fuck. Bon, je vais faire ça hors caméra, ça va être casse-couille sinon. Et pour le plateau, ouais,
J'ai dépensé du fric encore. J'ai pris de l'après. Parce que je me suis dit que en métal direct, ça allait pas suffire l'autolac. Donc, après, dessus, après il y a ça. L'après, j'en ai pas besoin dessous parce que j'ai la peinture machin qui adhère toute seule. Et au pire des cas, ça pourra me resservir. S'il m'en reste beaucoup. S'il m'en reste beaucoup, hein, parce que bon, la versielle, c'est la versielle. Bon. Je vais me mettre à ça, parce que j'ai du taf. Et puis on se retrouve quand j'aurai fini toute la soudeur. Bon. J'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Renforcement à ce niveau-là. Un peu sur le côté, quelques points. Enfin, sur le côté, c'est pas très important. Un peu, pas mal devant, en fait. On voit mal, hein, quand même. Ouais, voilà. Ici. Il y en a. Ici. J'ai pas reponcé, là. Là. Enfin, je crois que je peux pas atteindre avec la disqueuse, on va voir. Ah bah si, je l'ai fait là, donc je dois pouvoir atteindre. Juste oublié. Derrière, côté. Grosse soudure sur les côtés. En dessous, en dessous, en dessous. En dessous, je pense qu'il me faudra deux mains, non ? Je peux faire ça. Comme ça. Voilà. Là, c'est les plus belles, honnêtement. Parce que j'ai pu les lisser nickel. J'ai ressoudé dans les fissures et tout. Là, c'est bien propre. Là, c'est refait, mais je peux pas faire aussi propre qu'en bas. Je peux pas autant poncer, en fait. Peut-être un petit point à refaire là, je vois un peu de jour. Mais c'est à travers, donc... Ouais, je vais refaire un point là, et puis je vais le repasser à la disqueuse. Bon, j'ai ressoudé 2-3 petits trucs, j'ai reponcé 2-3 petits trucs. Et là, juste pour voir, enfin, j'ai déjà tout soufflé, tout aspiré sur le carter, qu'il soit à peu près propre. Mais là, je ne l'ai pas redressé encore. On peut voir, il a un peu changé de couleur, pas en bas, mais en haut. Juste pour voir avec le primer. Comment ça rend? Et en fait, on peut voir que la peinture... Attendez, il n'y a rien de grave, mais... Bon. On va se prendre ça. On peut voir que la peinture peut se décoller, en fait. Bah tiens, mais elle peut se décoller. Donc ce que je pense faire, c'est... Je sais pas si je le fais, mais passer le carter au surpresseur, le bien le laisser sécher au soleil, et après le peindre. Ou sinon, ce que je fais, c'est que je prends du papier de verre et je me tape tout à la main. Je pense que je ferai le coup du papier de verre. Pour ce soir, c'est bon, hein, j'ai eu ma dose, mais... Tout passer au papier de verre. Bien insister sur les coins, tout ça. Après, passer l'après. Et après, mettre la peinture. Et là, ça devrait le faire. En tous les cas, ça le fait, mais... Et c'est pas parti avec c'est pas parti avec la brosse métallique, ça. Moi, je mettrais peut-être, ah oui, je mettrais ma brosse métallique plus abrasive sur le Peugeot et je passerai ça sur le dessus pour bien gratter la pantoche là. Bah, je ferai ça demain soir. Ouais. Bon, en tout cas, c'est tout pour ce soir. On est l'autre soir, j'ai tout poncé. Donc, je vais mettre un après anti-rouille dessus. Là, le carter est plutôt propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de poussière. On peut voir, il y en a quand même. Donc, je vais passer un petit coup de triclo machin truc pour la pantoche. Histoire d'enlever la poussière, les taches de gras et tout ça.
pour faire le dessus en après. Puis bon, bah, par la suite, ça sera la peinture, tout ça. Bon, j'ai bien poncé, j'ai utilisé la grosse brosse métallique. Pas la douce et grande, là, mais celle qui, qui attaque bien, là, pour les bords. Beaucoup de papier de verre à la main, l'aspiro, un peu la ponceuse. J'ai un peu tout utilisé pour que ça soit à peu près bien. Donc maintenant, je vais passer un petit coup de produit. Et après, je laisse sécher le produit. Enfin, il sèche quasi immédiatement, hein, mais c'est juste histoire que la surface soit bien propre. Et après, j'attaque, je mets une couche d'après sur le dessus. Bon, voilà, après deux couches d'après. Excusez-moi pour la musique, c'est juste que je peux pas trop aller atteindre le PC maintenant qu'il est caché. Et après deux couches d'après, donc première couche, laisser sécher, deuxième couche. Je trouve que ça rend plutôt pas mal comparé à ce que c'était. Hein. Bon, on en passera une troisième une fois que la deuxième sera bien sec, mais pas aujourd'hui. Demain, parce que je fais la première, juste quand c'était sec, deuxième. Donc on va vraiment laisser tirer la peinture toute la nuit. C'est déjà bien pour ce soir, au moins ça ressemble à quelque chose. Bon, je vous reprends, les trois couches du dessous sont finies. Donc ça rend plutôt bien. Juste des petits endroits où ça pourrait mériter une couche en plus, mais je veux dire, le plateau en lui-même, il est bien uniforme sur tout le reste. Comme on peut voir, les soudures disparaissent. Avec cette teinte-là, j'ai bien peint, j'ai essayé de faire le maximum de l'intérieur, je retoucherai ça à la bombe, parce que je pourrais aller au fond. Et là, c'est bien redressé, comme on peut voir. Pas de gouttes de peinture. C'est peint dans tous les recoins, même aux endroits où c'est ressoudé. Un peu le bas des pattes, où j'ai enlevé la peinture qui s'écaillait, que j'avais oublié. Pareil pour le bas. Il pèse son poids quand même. Et là, le but, c'est de mettre la troisième couche d'après, mais par rapport à l'arrière. Donc la dernière couche en dessous date d'hier soir, donc elle est largement sèche, ça fait plus de 12 heures. Donc en bas, je vais faire la dernière couche d'après en sens. J'ai pas des masses de batterie, je vais devoir recharger ou aller chercher la recharge, sûrement après la batterie, pour filmer le reste. Bon, ça, et je vais devoir remettre toutes mes protections pour protéger un peu l'ensemble de la peinture. Pas de la peinture, ça? Non, c'est bon. Bon, hop, je vais enlever les petits trucs qui dépassent, peut-être un petit coup de ponçage, vite fait là. Troisième et dernière couche d'après. De ce côté-là, qui rend moins bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est caché tout ça, mais bon. Autant essayer de bien faire dès le premier coup. Là, il y a une sorte de petit truc, je vais le poncer. Ça, je pourrais reprendre, enlever tous les scotch, espérant que ça n'ait pas trop enlevé d'après. Le scotch, c'était pour éviter que ça fasse des coulures de l'autre côté, on peut le voir là. Je vais mettre un petit coup de... Ah merde, là aussi. Bon, pas grave, ça va être repeint tout ça. Bon, je tire un peu fort dessus. Ouais. Je vais repenser vite fait tous les endroits là. Ah merde. Hop. T'as, qu'est-ce qu'il y en a comme scotch? Vous voyez tous les trous qu'il y a, faut faire gaffe. Pour éviter les coulures, ça en fait pas mal. Puis c'est aux endroits les plus rouillés, à cause des trous, des bosses, tout ça. Bon, je vais me déboucher tout ça. Je vais peut-être renettoyer la peinture avec ce produit-là. Bon, là, je viens d'essayer de faire une deuxième couche, mais la bombe est trop petite. Je vais devoir en racheter une. Surtout que je vais faire trois couches sur le dessus. Donc d'un côté, là, on n'a qu'une couche qui est sèche. On peut voir, ça fait un peu une petite tache grise encore. Mais bon, c'est qu'une couche légère. Deuxième couche légère, ça fait beaucoup plus noir. Mais là, elle est fraîche. Je viens de la mettre. On voit, ça fait un bel effet noir. Si je recule la caméra, on peut voir, ça fait un bel ensemble. Mais bon, faut vraiment que je rachète une bombe, comme ça je pourrais au moins finir ce côté. Et faire la troisième couche après. Et la troisième couche, je vais faire comme pour l'après, c'est que je vais la passer dans le plateau de l'autre côté. Donc deux couches comme ça, et une couche dans l'autre sens. Et j'espère que j'aurai assez d'après et de noir pour faire par la suite la goulotte.
c'est monté, ça tourne, ça tond, ça ramasse. Ouais, pas trop de vidéos entre temps, mais ça. En même temps, c'est loin remonté, j'ai tout graissé. Quand j'ai des petits problèmes à régler avant, je vais vite fait vous les énumérer. Le plateau qui veut pas remonter à fond, faut que je le ravance un petit peu parce que la courroie est pas assez tendue, faut que je contrôle avec l'autre courroie. Faut que je me renseigne voir si la courroie passe devant le bras comme là ou derrière parce qu'elle frotte quand elle est engagée. J'ai dû tirer du coup à mort sur le câble d'engagement pour pouvoir tester le plateau. Les roulements sont très très bons dessus. J'ai affûté les lames au passage, j'ai changé l'adaptateur qui merdait là. Mais bon, faut que je bidouille encore des trucs pour voir les réglages. Ouais.